Good morning, allez, Iden, les six aujourd'hui, le Nishma Janin Rud, Bat Fortune, Mazal Fritna, les Chayabat, Mazal Tov, Lucien Batraina, et Claude, Shomo, Ben Shalom, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous, c'est Jean Vasechet Gitin, Perig Vav, Mishnah Vav. Mi, Shaya, Mushlach, Labor, Vamar, Kol, Shomea, et Kolo, Ichtov, Get, Leishto, Are, Elu, Ichtevu, Veitenu, Abari, Shamar, Kit, Vu, Get, Leishti, Ratsa, Lesachek, Ba, Maase, Babari, Echad. Shabakit Vuget Lishti, Vala le Rosh Hagag, Venafal Vamet. Amar Bishmon Ben Gamliel, Amru Chachamim, Imme Atzmo Nafal, Areze Get, Vimaruach Dechaato, Enoget. On continue le sujet de la Mishnah précédente, à savoir comment est-ce qu'on fait pour nommer un Shaliach. On avait rapporté dans la Mishnah précédente qu'il faut nommer le Shaliach, de lui prescrire, d'écrire le Get et de donner le Get. Et s'il est prescrit de d'écrire un Get sans dire qu'il faut le donner, le guet, le chaliach devra écrire le guet, mais patienter, il n'a pas encore dit qu'il veut la divorcer. Il a peut-être, le garde peut-être en stand-by pour la prochaine dispute. D'accord? Maintenant, on a un nouveau cas. On a quelqu'un qui était Mishaya Mushlach Labor, quelqu'un qui était jeté dans un puits. Imaginez les cachots de l'époque, là, le truc. Et puis Ve'amar, et il a crié de toutes ses forces. Kol Hashomea et Kolo, tout celui qui entend ma voix, Irtov get l'ishto, qu'il écrive un guet à sa femme. Maintenant, il précise, je suis un tel de la ville, un tel. Je suis en ce moment en prison, jeté, et je prescris à tout celui qui m'entend, qui s'occupe d'écrire un guet et de le donner à ma femme. Parce qu'il n'a pas envie de moisir en prison et que sa femme avait resté veuve toute sa vie. Il est gentil. Et de ce fait, eh bien, arrêlou, irtez-vous et itnou, ils pourront, le chaliard qui l'entend, s'il y a quelqu'un qui passe, il dit, ah, t'entends, c'est lui, c'est... Alfred Dreyfus qui crie de son cachot de je sais pas quoi, et du coup, bah dans ce cas-là, on va et on est devenu on est devenu chaliach, et on pourra aller donner le guet comme il faut, d'accord? Maintenant, Abari Shahamar, si par contre, il y a un, ok? Donc il y a une chilouche, c'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, on pensait qu'il fallait nommer un chaliach bien précis. Je connais la personne, je connais sa tête, je m'adresse à quelqu'un. Là, je dis tout celui qui m'entend, je rentre tout celui qui veut le faire, qui le fasse, ça marche. D'accord? Ensuite, deuxième sujet. Abari Shahamar Kit Vuget Leishti, un homme en parfaite santé qui dit écrivez un guet à ma femme. Ratsa le Sachek Ba, il a tout simplement voulu se moquer d'elle. Il n'a jamais prescrit de le lui donner. Elle est en train de râler, il a voulu lui faire peur, elle était. La menacer, mais elle n'avait aucune intention de donner le guet. C'est une halakha évidente qu'on connaissait déjà depuis. C'est l'introduction de base de la Mishnah précédente, d'accord? Ok? Mais on la rapporte par rapport à la suite. Maase Bebari Echad, le but c'est de nous rapporter maintenant qu'il y a un cas de figure où il y a un homme qui dit qu'il faut écrire un guet à sa femme, et que parfois ça va devenir un bon guet, en fait. C'est le principe, c'est pour ça qu'on a apporté cette phrase tout de suite. Maase Bebari Echad, il y a eu une histoire avec un homme en parfaite santé, Shamar Kitvuget Leishti, qui a dit écrivez un guet à ma femme, mais il n'a pas prescrit de le donner. Et après, une fois qu'il a prescrit d'écrire le guet, pendant que les sophrimes étaient écrits, qu'est-ce qu'il fait? On voit que ça y est, le guet, il arrive à sa fin, il est signé. Il monte sur le Ve'ala, Ve'ala les roches à gag, Ve'nafal va mettre. Et il est monté au toit et il s'est suicidé. Il a sauté et il est mort. Donc en fait, le pauvre, il avait un petit grain qui n'allait pas. Il avait un gros chagrin peut-être. Il avait un. Donc il n'était pas à l'aise. Il voulait se mettre fin à sa vie, et il s'est soucié quand même de donner un guet à sa femme avant de partir. Alors Chachamim, ils ont dit comme ça, Amar Ben Shimon Ben Gamliel, il a dit sur ça Ben Shimon Ben Gamliel, Amon Chachamim, ils ont dit Chachamim, à l'époque, quand il y a eu cette histoire, Imme Atzmo Nafal, s'il est tombé de lui-même, ça veut dire qu'il a essayé, c'est réellement lui qui a sauté, alors Areze Guet, ce sera un bon guet. Imma Ruach Dechaato, par contre, si c'est le vent qui l'a fait tomber, et nos guets, ce ne sera pas un bon guet. C'est-à-dire, je réexplique. On a en fait un cas. Normalement, un homme qui dit écrivez un guet à ma femme, ça ne veut pas dire qu'il veut la divorcer. Et si maintenant, il a dit écrivez un guet à ma femme, et on est en train d'écrire le guet, dès qu'il finit d'écrire le guet, il monte sur le toit, il se suicide 12-8. Donc qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'en fait, il a voulu, on va expliquer qu'en réalité, quand il a prescrit d'écrire le guet à sa femme, c'était parce qu'il prévoyait de mettre fin à sa vie. Et dans ce cas-là, pourquoi il a voulu écrire un guet à sa femme? Qu'est-ce que ça peut faire? Mais il a voulu que sa femme, elle ne soit pas. Une veuve, qu'elle soit un peu une almana, mais qu'elle soit une divorcée. D'accord? Et ça, c'est un. Maintenant,
Si, de ce fait, maintenant, si on a vu qu'une fois qu'ils ont fini de tirer la gâtine, de monter sur le toit, mais après il y a eu un coup de vent très violent et à cause de ça, il est mort. On n'a pas de guélouille qu'en réalité, il voulait réellement divorcer sa femme. Peut-être qu'il voulait lui faire toute une mise en scène, lui faire croire que je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, on ne peut pas interpréter maintenant que son ordre d'écrire un guet implique aussi de forcément donner le guet. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov Vesela.